Enfin, on a dormi dans un bon lit. Finalement, il y avait deux autres lits dans la chambre d'à côté. Ah oui, on avait chacun notre lit, putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Ah, j'ai pu me retrouver avec moi-même. Ça, je vais pas entendre parler. Ah, je suis de bonne humeur. Ouais. Faut pas connaître la cause. Allez. Allons retrouver notre ami Jazir. Chassir. On n'est pas écolo, je veux dire. Hein. On peut monter dans le buggy d'autres, mais faut quand même trois Non, buggy. voilà, chacun son véhicule puisque on aime bien conduire. C'est au cas où qu'il y en ait deux qui tombent en panne, tu vois, tout sur un. Aïe. Ah, attends, ton mercenaire a un peu de mal le matin, c'est Voilà. compréhensible. Le buggy est encore un peu rouillé à l'intérieur. Ouais. Là, je suis à un largage et personne. Ah, c'est bien ça. Bon, bah écoute, hein, ça c'est. Il y a des matins comme ça. Ouais. Ça te tombe tout cuit dans le bec. Ton vent. Allez-y, passez devant parce Bon, que moi je suis pas attends, doué. j'en profite pour la station essence, hein, vu qu'il y a pas l'air d'avoir de zombies ce matin. Ah oui, c'est vrai. Allez, ouvre-toi, sésame. Allez. Oh. Hop, des petits bidons, des petits litres. Oh, qu'est-ce qu'on a de sympathique? On a Non. de la gaz, on a des choses à ouvrir. Des clous, des vis. Écoute, hein. On va pas s'en plaindre. Ça peut permettre de nous refaire un petit stock. Ah, ça part vite. Est-ce que s'il peut me cacher là-dessus? Ah, il y a Silas. Ouverture. Des vis. Et Tête une de pièce frein. moteur. Bon bah voilà. Ça assez vite. Bon bah bon, on peut retourner voir, enfin on peut aller voir Jazir. Ah. Là-dessus, j'ai vendu. Il y a un sans-visage qui nous attend là-bas. Bah, je te suis parce que moi je me perds vite. Ah. Oublié. Il a pas été oublié, il a été omis volontairement en plus. Ouais, ça me casse les couilles. Voilà. Je suis Parler. perdu mon Ouais, pourtant ça valait le coup, il y avait un body le roi. Allez. Je passe devant. Je sens que je vais le regretter. Ah. Ah. Oh Il y a là. un En gros fait. tas. Oh merde, je me prends tout. Quelque chose qui m'a gerbé. Ah. C'est étroit. Comment vous êtes passé? Est-ce qu'on le fait le gros tas ou pas? Oh non, y a rien. Regarde. Bon, on est reparti. Attends. Ce serait des militaires, mais non. Allez, on reprend la route. Bah, je vais vous attendre un peu, moi je suis encore devant et je sais pas trop si c'est par là. Mais... Décidément, j'ai refait oui. Faut que je vienne te chercher. C'est bon, je vais monter avec mercenaire. Allez. Il y a des tremplins qu'il ne faut pas prendre, c'est rien, c'est rien. Ah, bon, bah, on va aller par là, enfin, je crois. Ouais.
Allez, on me guidera par ta voie. Tout droit, suis la route. Suis la route, suis la route. Quand je ralentis un peu, je ne vois plus. Laisse-nous passer devant alors. Ouais, c'est pour ça que je voulais. Vas-y, passe devant. Suis la route, suis la route. Allez, c'est parti. Là. Ah, non. Alors, je peux quitter. Non, 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 non. Ah non, j'ai le turbo de cassé maintenant. Ah. Malade. Tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Tourne à gauche. Non. Faut que je répare ça tout de suite. J'avance plus. Je sais pas pourquoi, ça me bloque. Allez. Bon. Allez, là tu prends à gauche là. Hein? Allez. Voilà. J'ai l'impression de conduire un char. C'est un peu ça. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? C'était rien. Voilà, on est sur la bonne route. C'est une route de campagne, mais c'est un raccourci. Genre derrière, c'est bon. Comme je te dis, j'ai l'impression de conduire un char. Alors là, tu tournes à gauche. Traverse, traverse, traverse. Vas-y, 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 n'aie pas peur, n'aie pas peur. Une arme. Allez. Ma gerbe. Tout droit, tout droit. On est sur la bonne voie. Ah oui, est-ce que ça tire sur le moteur? Tu continues de suivre la route, c'est bien. Non, c'est plus très bien là. Tourne à gauche. Tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Alors tu te coupes à travers champ là. Vas-y, tourne à gauche encore. Oh, bon. Je vais vers l'objectif en fait. Voilà. Impeccable. On y est presque. Voilà. C'est bien. On a réussi à retourner en ville. Formidable. Ouf. Bon, faut que je répare mon module, mais il n'en peut plus. Je vais réparer ton module. Ah, j'avais le turbo de pété, j'accélère aussi vite qu'un char. Des choses qui arrivent. Attends un peu. Tu serais pas Kyle Crane? Le gars dont tous les fermiers parlent, hein. Bon, surtout ne pas oublier d'acheter. Il n'a pas de produits chimiques. Il n'a pas de produits chimiques, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est dommage. Bon. Eh ben écoute, je vais faire une entorse. Je vais commencer à regarder les couleurs qui existent.
Bon, on va prendre tout ce qui est inutile. Ouais. Bon dégâts cette hache, mais bon. Eh ben ça me plaît. Des papillons. Des jolis les papillons. Voilà, des papillons, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux améliorer sur mon véhicule? Oui, apparemment, ça te changeait des pièces. Ah bah si tu peux améliorer. Je vais commencer à te changer des pièces pour des pièces de niveau 3 un petit peu quand même. Faut qu'on aille où nous? Voir Jazir. Ouais, on va aller lui parler. Il faut poser à lui aussi. On va aller parler à Jazir. Très bien, bon voilà. Pièces de niveau 3. Alors, un peu plus maniable, plus agréable. Très bien, je suis là. Jazir. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que t'as déjà du pain sur la planche, mais j'aurais besoin que tu me rendes un service. Bien sûr, de quoi il s'agit? Ça m'embête de te demander ça, mais moi j'ai aucune chance. C'est à propos de ma fille. Je crois qu'elle s'est enfuie. Esgui s'est enfuie? Pourquoi? Excellente question. J'ai jamais compris ce qui lui passait par la tête. Ok, où est-ce qu'elle aurait pu aller? T'as une idée? Chez Ozan, peut-être. Ils étaient proches. Je vois pas autre chose. Ouais, c'est son petit ami. C'est à propos de ça que vous vous disputiez quand je suis arrivé. Ce petit crétin. Il a jamais rien fait de sa vie. Aucun respect pour ses aînés. Et ce sourire idiot qu'il a tout le temps, sans parler de cette fichue casquette à l'envers. Ok, calme-toi, je vais me mettre à sa recherche. Il habite où, ce Ozan? Il vit dans une ferme non loin de l'Oasis. Merci infiniment. Ça m'embête vraiment de te demander ça. Enfin, si tu la trouves, dis-lui de rentrer, s'il te plaît. Bon. On va voir ce qu'on peut faire pour ta fille. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Donc, ouais, j'avais souvenir que... Ah, on peut lui causer à lui, tiens. Il y a le garçon, là, le petit garçon. Ouais, petit. Avec son nounours. Bien, mercenaire. Garçon, voilà donc ce que contenait le paquet. C'est un chouette ours, ça, dis-moi. Merci, monsieur Crane. Maintenant, j'ai hâte que maman rentre jouer avec moi. Ouais. Mon frère. Ça va être un peu compliqué pour ta mère. Un ours encore, je peux te le ramener, mais... Alors... Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est à l'intérieur du bâtiment. Ça va être le sans-visage qui voulait nous parler. Ouais, il est peut-être là, hein. Dans une ambiance feutrée. C'est fait son bichon. Attends. Enfin, moi, l'image que j'ai, je vois une corde, je vois une clé, je vois. Bref. Ouais. Allons lui parler. C'est bon de te revoir, frère. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui se passe ici? Kyle, tu le savais déjà, n'est-ce pas? Que les gens qui ne sont pas infectés, c'est juste un écran de fumée. D'ailleurs, c'est littéralement de la fumée. Notre mère a trouvé un moyen de combattre la maladie grâce à une sorte d'élixir. Tu as vu ses effets de tes propres yeux. Donc vous avez bien un remède? Un bandage soigne-t-il une plaie ouverte? Non. Nous disposons simplement d'une solution temporaire. Nous travaillons sur un projet curatif, c'est vrai. Quelque chose de plus permanent. Mais nous avons besoin de temps. Et que la paix dure un peu plus longtemps. Je parie donc que vous n'avez presque plus d'élixir. C'est hélas le cas. C'est pour ça que tu es ici. Je veux te proposer un marché. Trouve-en plus, et nous t'en laisserons une bonne partie. La mère t'apprendra à l'utiliser. Tu pourras repartir à Arran avec ton prix. Ou bien choisir de rester avec nous. J'ai l'impression que vous savez où je dois chercher. Nous avons envoyé beaucoup de frères à sa recherche. Et nous avons récemment perdu le contact avec trois d'entre eux. Ils devaient fouiller une grotte. Si tu as vu la brume... Ce n'est pas une coïncidence. Du produit a dû s'échapper. On dirait bien que quelqu'un a trouvé l'élixir et l'a emporté. Très bien. Allez voir la grotte. C'est compris. Bon courage, frère. Ouais. J'espère que ça va bien se passer aussi. Engagé comme ça. Bon. On a un remède pour la tour, parce que bon...
L'antizine, ça commençait quand même à être sérieusement la crise. Bon, on va s'occuper d'Esgi. Allez. Alors attends, on va avoir tes nouvelles peintures. Oui. Avec des papillons. Waouh. Ça sèche relativement vite, hein, t'as vu? Ouais, puis ça se change vite. Voilà, je me cogne partout maintenant. Habitat refait à neuf. C'est vachement plus agréable. Allez! Geronimo. Bon, qu'est-ce qui est? Où est-ce qu'elle a bien pu filer? J'espère qu'elle voudra bien rentrer à la maison. Ouais, au moins avec un de nous trois. Oui. Prends le chauffeur qu'elle veut après. Ouais, voilà. Si elle n'est pas partie seule, on pourra ramener le comparse. Ah. Bon, j'ai trouvé la ferme, je vous attends. Par quoi tu changes tes freins, hein? Ouais. Abîme les voitures. Pas bien, pas bien. Bon. Est-ce qu'il faut sortir le flingue ou est-ce qu'ils sont pacifiques? Bah, moi j'ai pris de la hauteur déjà. Oh, y a des choses sympas tout en haut. Je crois que ouais. C'est plus très pacifique, les mecs. Oui, c'est. Ah, c'est dangereux ce truc là. Je vais faire des coups. Bah, y'a encore un malabar. On s'en occupera après. Ouais, c'est pas sûr qu'après on a le temps de s'inquiéter. On descend. Non. Écoute, ça, moi je reste en hauteur, ça a l'air sympa. Vaut mieux, je pense. Bon, déjà le Malabar a perdu son casque. Et le. Oh la vache. C'est moi qui canarde. Ah oui. Il a perdu son casque, je dis. Oh ouais. Ouais. Un dans le mille. Oui, tiens. C'est magnifique, fini. Il détruit. Eh ben, à toi. Bon, bah maintenant je descends. Ah, bah une tyrolienne. J'espère qu'elle était pas dans les zombies. Bon, oh, elle est intelligente. Elle a sûrement dû. Sûrement dû se sauver. Ah bah c'est lui le jeune avec sa casquette à l'envers. Ce qui en reste. Ça annonce rien de bon ce que tu viens de dire. Non, c'est pas elle. Jazir, t'es là? Ozan a eu la visite des infectés. Il est mort. Et Esgi, elle est là? Elle va bien? Non, aucun signe d'elle. Par contre, j'ai trouvé le cadavre d'une autre jeune fille. Je continue à chercher, t'inquiète pas, Jazir. Ma père s'inquiète toujours. Bonne chance. Ah, c'est dommage, elle était bonne aussi. Ah, père s'inquiète toujours, surtout dans ces circonstances apocalyptiques. La fin du monde. Un rem, en tout cas. Qui est mort. C'est ça. Deux filles. Mais ils avaient pas grand chose dans cette ferme. Non, bah bon. Ils avaient l'air d'être sur le point de partir, mais ils sont partis trop tard. Ouais. C'est sûr que. Ou alors ils sont partis pour de bon, ça dépend du point de vue. Une balle. Bon. Et vous avez fouillé la ferme là? Ouais, j'adore. Je fouille.
fouille un peu partout, je suis dans la maison. Ouais. Un puits ici. À déplacer. Là, je me fais bombarder. Alors, du caoutchouc, un trophée de course. Et la gaz. Fait. Oh, du café, c'est bien ça pour demain matin, le café. C'est ce qui va manquer quoi. Ah, c'est important le café. Mm. On a toujours plein les poches d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je transporte des petits sacs qui fuient, je pense que mon pantalon en est fusionné avec le café. Ah ouais. Tu sais que c'était autre chose, moi, à la tâche. Non, non, c'est du café. D'accord. Si tu fais tremper mon pantalon dans de l'eau, je suis sûr que t'en sors un café au bout d'un moment. Ouais, alors j'éviterai parce que ça fait un moment quand même que t'as pas changé ton pantalon, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. C'est vrai. Café risque d'avoir un drôle de goût. Ah, ce sera aromatique. Ah oui, ça c'est... Aromatisé frayeur de zombies. Voilà, comme tu dis. Il n'y a pas grand chose dans ce baraque. Non, c'est pas tip top. Ou alors il y avait un. Ah bah oui. Et un grenier. Même le grenier a été fait. Ah, il n'y a plus qu'à se servir. Ouais, fantastique. Ah, attends, par contre. Une machette des champs. C'est vrai que ça peut servir. Elle est jolie. Il rapprochait le blé. Oui. Bon. Bon bah ça y est pour la zone. Donc on va au camping, vérifier si elle y est. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut de la tour là? Oui. Ah oui. Oui, moi j'avais commencé par ça en fait. Une munition, un kit de soins et une épée. Ah. Et un drapeau même, qui servira à rien. Bah tu veux avoir ce coup là. Bah écoute, j'en profite pour m'amuser. Tac. Allez, je vais aller au camping là. Tout le monde est prêt, on va décoller. Ouais, c'est bon. Ouais, attends, il y a un petit paquet là. Derrière, rien. Et une malle. Ah, quand même, ça change. Ah, c'est quoi ici? Bon. Un câble. Et une pièce de frein. Ah, fait. Autre souhait c'est réalisé, j'ai une pièce de froid. Ouais. On voulait que tu puisses freiner un peu mieux, là, c'est vrai. Ouais, faut qu'on s'en aille là. Ouais. On s'en va. Ouais, ça c'est vrai.